Et salut tout le monde, c'est Jean Bloquer, on se retrouve pour ce... Attendez, 9e épisode, oui déjà, de ce let's play d'Assassin's Creed Black Flag. Oui, on oublie le 4 à force, hein. Mais bon. Je dis l'épisode 9, mais est-ce que je suis vraiment sûr que ça soit l'épisode 9? 5, 6, 7 et 9. Le mec, il sait plus compter. Voilà. On va pouvoir continuer notre aventure tranquillement. On peut améliorer. Oh, on peut faire des améliorations. C'est. Tenue de corsaire. Ouais, non. Bah, on a 9000, on pourrait acheter l'ensemble d'épées là qu'on avait vu à une époque. Qui permettait de les sabres de corsaire là. Mais pourquoi je peux pas l'acheter? Ah, disponible au magasin, d'accord. C'est comme les améliorations du bateau. On peut les faire mais qu'au magasin. Genre si je veux améliorer la puissance des boulets, faut que j'aille au magasin. Si je veux améliorer le mortier, c'est pareil. Donc tout ça. Et là, je pense qu'il demande. Il y a un truc avec du fer. Je pense que ça va peut-être nous permettre d'améliorer encore le bateau. C'était le défi qu'on avait avant de quitter l'épisode. Ah, il y avait un truc. Vous avez découvert un couvert royal. Oh. Croix facile, mais qui rapporte peu. Si. Tu veux faire sortir la marine de sa cachette? Je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton saoul, capitaine Kenway. Et fermez la grande voile! À vos espoirs! Je veux de la toile! Voilà. Donc on va repiller cette fois-ci, j'espère que je vais pas trop chier. Donc pour aller sur les îles, il y a un truc spécifique, il y a une zone. La longue vue, ok. Il me dit à chaque fois de l'utiliser. Un brick militaire à l'horizon. Tu as l'œil toi. Tu te sens prêt, Kenway? Celui-là ne se laissera pas faire son combat. Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? Faites-vous entendre! Voilà le genre de rafut que j'aime! Tous à la manœuvre! Armez les pièces! Défie-toi de la marine royale. Ces capitaines l'aiment tout autant tirer qu'éprenez. On va essayer ces barils de poudre. Ça fera de bonnes mines. Oui, bonne idée. Ok. Donc ouais, c'est un peu complexe hein, ce concept d'abordage, hein, donc on va tenter de le faire. Pardon! Désolé, c'est pas vous que je visais.
Et comment je change le... Ok, je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais pas du tout! Bon! Bah, du fail! Hein. Du fail, et encore du fail! C'est. En fait, il y a eu le deuxième bateau, et je sais pas comment changer. Par contre, je sais pas comment changer le... les trucs. Personnalisation des commandes de navire. Canon sur pivot. Comment on change les canons ? Canon sur pivot. Arrêter de chanter, chant des marins, menu, visée, mortier, longue vue, incliné vers le bas, centré caméra, d'accord. Il n'y a rien qui m'indique comment changer d'arme. Quoi. Là, dans le jeu de base, si tu veux changer les armes, tu as A. J'ai d'armes. Changer d'outil, c'est la molette. Mais j'ai rien pour changer le... Tu as dû remarquer que dans ces eaux, on trouvait trois fois plus de navires marchands que de navires militaires. Alors, la longue vue. D'accord. Aïe, des proies faciles, mais qui rapportent peu. Si tu veux faire sortir la marine de sa cachette, je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton soul, Capitaine Kenway. Un brick militaire à l'horizon! Tu as l'œil, toi! Tu te sens prêt, Kenway? Celui-là ne se laissera pas faire sans combattre! Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? Faites-vous entendre! Voilà le genre de rafut que j'aime! Tous à la manœuvre! Armez les pièces! Méfie-toi de la marine royale! Ses capitaines l'aiment tout autant tirer qu'éprener! On va essayer ces barils de poudre, ça fera de bonnes mines! Oui, bonne idée! Quel truc. Ouais, je sais qu'on va toucher. Donc les gars, profitez-en. Voilà. On va arrêter. On va essayer de vraiment gérer cette fois-ci. Le problème, c'est que... Il m'a parlé d'un truc, mais je l'ai pas fait. Et ça, c'est con. Là,
Voilà. C'est vrai que j'aurais pu... C'est vrai, l'autre bateau il est pas venu. Ça n'aurait pas tardé avec vu que. Allez, à l'abordage. Voilà. Allez, c'est bon. On peut piller. Alors, 65 de métal. Dommage, réparé. Il va falloir trouver un autre bateau à piller parce qu'il nous manque un peu de oui. Nouvelle brique. Ok, parfait. Hop, on attaque. Ça se trouve, c'était peut-être même pas la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Non, je voulais pas lâcher le truc, je voulais juste arrêter le bateau. Voilà. Les gars, vous êtes prêts? Ça sert à rien de tourner par là. Allez, on tourne les gars, on tourne, on tourne, on tourne. Et on avance. Allez. Allez, on tourne.
Eh oh! C'est des kamikazes là! Ok. On va pas sortir vivant de ce deuxième affront. Logiquement, on peut les aborder. C'est chaud quand même. Allez. Et maintenant. Bah oui. Le mec, il est parti de là où il fallait pas. Mais c'est pas grave. On revient par là. On grimpe. Alors. Voilà. Non, pas mes équipages. Tout pas mes équipes. Allez, putain, je perds un peu d'équipage là, c'est chaud. Faut que je fasse attention. Non mais t'es sérieux? Tu me demandes du fer et du métal et tu me donnes tout sauf le métal? Où c'est que je vais trouver du métal, moi, en vrai? Quoi, lui? Un brick niveau 17. Ok. Ah, d'accord, tu vois à peu près le contenu qu'il a. Ça sert à rien de s'attaquer à des bateaux qui... Par contre, lui. Avec niveau 17. Y'a rien. Et lui, là. C'est pas ouf. Ah, y'a tellement de bateaux dans le coin, là. Métal, parfait. Passe un truc sur lui et on y va. On a réparé le bateau, oui. Parce que le problème, moi, ce qui va me déranger le plus, c'est le petit bateau. S'il nous attaque ou pas. On va attendre un peu que le petit bateau se tire. Oh! D'accord. Allez, vitesse de croisière.
On sache de leur prise. Ah oui, là on est deux pris entre deux feux. Donc moi je vais le focus un peu sur le... sur l'autre là. Et on n'en parle plus. On va le couler. Hein. Ah, il y a un mec à secourir ici. Allez. Le problème, c'est qu'on va aller sur les autres bateaux si on fait ça. Logiquement. On touche, hein. Par contre, il y a un autre bateau qui arrive et c'est moins fun, ça. Les gars, visez bien. Mais... non, j'ai pas envie de couler, moi. Il y en a deux sur ma gueule. Est-ce que le troisième est sur ma gueule? Non, ça va. Oh non, mais c'est abusé, là, par contre. Non. Lui, là. Quoi? Quel point faible? Faut que je fasse attention à ce que je fais. Est-ce qu'ils sont, ils sont pas en train d'attirer le troisième, là? Mais oui! Mais je sais, mais je me... En fait, pourquoi je vise... Ah bah des synchros, je crois que je me suis tapé l'île. Hein. Ah non mais sérieux, c'est... Un, je veux bien, deux... Si c'est un petit... Non mais par contre... Un. Que dans ces eaux, on trouvait trois fois plus de navires marchands que de navires militaires. Oui, je sais comment fonctionne la longue vue, merci. Aïe, des proies faciles mais qui rapportent peu. Si... tu veux faire sortir la marine de sa cachette, je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton saoul, capitaine Kenway. Voile en vue ! Un brick militaire à l'horizon ! Tu as l'œil, toi ? Tu te sens prêt, Kenway ? Ouais. Celui-là ne se laissera pas faire sans combattre. Vous êtes prêts à prendre ce brick, les gars ?
Faites-vous entendre ! Voilà le genre de rafut que j'aime ! Tous à la manœuvre ! Armez les pièces ! Défie-toi de la marine royale. Ce capitaine l'aime tout autant tiré qu'il promet. On va essayer ces barils de poudre. Pas de bonne mine. Oui, bonne idée. Capitaine ! Ouais, bah ça n'a pas servi à grand chose en vrai. La navigation, ça peut aller. Parce que. Voilà. Quel renfort. Ils font feu, capitaine. Ils nous ont eu, capitaine. Feu. On est parti pour nous. Il va falloir reconstruire cette partie. Voilà son point faible, sœur. Allez. Je vois rien. Ah, il y a de la fumée partout là. Un petit coup de grâce. Que je suis devenu fou. Allez. On va pas s'occuper du gros parce que le problème du gros c'est qu'il... Ah là le gros... Allez les gars! Voilà! Ouh, j'étais vraiment lourd en vie. Tout ça pour ça. Bon, il y a du fail, bien sûr, le... Pas, c'est pas notre fort, ce système-là, mais bon. Et là, je pense qu'on doit retourner pour réparer le bateau, pour améliorer le bateau. Ah, c'est ça. Ah, c'est bien battu. Quelle est la prise? On sait quand, c'est certain. Je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se faire oublier. Excellente idée. Mais comment va-t-on se débarrasser de cette notoriété? En payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats, et les militaires fermeront les yeux. Je vois. Je crois que je vais devoir aller rendre visite à ce Samaritain au plus tôt. Tu comprends vite. Allez, on va aller un peu plus vite, là, parce qu'il y a quand même un bateau... Oh putain.
On y arrive. Dans celui-là aussi, l'abordage est vraiment plus manuel que ça. Hein. Là, tu vois, du moins pas l'abordage, mais le... vers sa marée. Et là, on s'amarre comme ça. Il y a un bateau qui arrive. Oh. Eh merde. Bah ouais, capitaine, il a fail, hein. Comme d'hab. Hein. Capitaine à la mer. Ouais, c'est beau, il a encore fait le con, celui-là. Ouais, c'est ça, ouais. Comment tu le sais? Bah... On est habitué avec lui. Hein. Ouais, mais quand même. Tu veux fausser compagnie. Voilà. Voilà, t'as bien compris, je voulais fausser compagnie. Hop, voilà. Acheter des pièces des pièces de bordée. Ah d'accord, je pense qu'on va aller directement sur le bateau. Apparemment on a pas... Ah, on peut aller là, on va rentrer dans notre bateau maintenant. Ah d'accord. Commerce, amélioration, voilà. Donc là, il va nous falloir plus de... Ok, on peut pas améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle? Rien. Attends, est-ce qu'on peut vendre? On va vendre tout. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec le sucre? Pareil pour le rhum, à part le boire, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, des os. Ça a l'air de rien servir du tout. Qu'est-ce que... Apparence, est-ce qu'on peut avoir une belle apparence? Modifier équipement. Ah, là, je vais pouvoir acheter mes épées. Pourquoi je peux pas les acheter? Je peux juste les équiper. Si je veux les acheter, je dois aller à un magasin. Ok. Et il va avoir de la gueule, le bateau. Faudrait qu'on améliore les boulets de canon pour que ça fasse plus de dégâts en vrai. Je pense. Si on peut renforcer ça. Tu m'impressionnes, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Seigneur, tu dis vague, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Une belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater. Ok. Mission accomplie. Ok, bon, on n'a pas eu... On est en train de s'éloigner, les gars. Est-ce qu'ils ont un... Ça, c'est pour réparer les bateaux, mais il n'y a rien pour réparer... Okay. Mais on va s'arrêter là, en fait. Parce que c'est la fin de l'épisode. Oh, il commence à avoir de la gueule. Hein.
Et le jeu commence à synchronisation complète 10%. Et au niveau histoire, 18%. Et on est déjà dans la séquence 3. On a fini pratiquement. Il nous manque plus que Can et Canaille. Et après, on a fini. Et c'est plutôt pas mal. On avance bien. Donc c'est bon, on va pouvoir se laisser ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.